nouveau vlog. Et cette semaine, c'est la dernière semaine de Vlogmas. C'est incroyable. Et donc du coup, cette semaine, ce que je vais faire, c'est que je vais vlogger aujourd'hui, demain et ensuite 23, 24, 25. Je vais faire qu'une seule vidéo, comme ça, ce sera la vidéo de Noël, ouverture des cadeaux, comme je fais deux Noëls différents. On va faire ça comme ça, je pense que ça peut être très très cool. Demain, j'achète mon sac. Donc autant vous dire que je n'en peux plus d'attendre. Et aujourd'hui, c'est journée un petit peu repos. Je me suis levée tout à l'heure, j'ai pris un petit déj devant ma série, je suis restée un peu au lit. Là, je vais faire un petit peu de sport et je pense que après je vais me doucher, manger un petit truc. Et là il pleut de ouf depuis ce matin, mais c'est censé se calmer un petit peu plus tard, donc j'espère que je pourrai aller faire un petit peu de course. J'ai trop envie de me cuisiner des pâtes au saumon ce soir. Voilà, ça m'est venu comme ça dans ma tête, donc on verra si je l'ai fait. Et puis quoi d'autre, j'aimerais bien aussi me faire des petits soins ou au moins me faire les ongles, parce que là il commence à un peu être moche. J'ai envie de me faire les ongles tout rose. Et puis voilà, une petite journée assez cool. Let's go, un peu de sport. I'm feeling way too low to start this night, but I wanna get to your bash. Last night you tried to make me angry, yeah, but this time I get you mad. Oh, don't need apologies, enough for this, I'm burning for you. J'ai enfin terminé, ça m'a pris trop de temps. Je suis tellement lente en ce moment. Du coup là je vais me faire une patate douce. J'ai envie parce que j'ai pas super faim, mais en même temps il faut que je mange. Donc je vais me faire juste ça et ensuite je vais aller me doucher. Ou d'ailleurs je vais peut-être aller me doucher pendant que ça cuit, parce que ça prend du temps. Et ensuite, si la pluie décide, enfin accepte de se calmer, j'irai au Monoprix m'acheter. Je pense qu'il faut que je fasse 2-3 courses, j'ai plus de sacs poubelles, des trucs comme ça. Et je vais m'acheter surtout de quoi faire des tagliatelles au saumon avec du parmesan et tout et tout. Bon, il fait officiellement nuit, j'ai un peu traîné j'avoue. Il est 17h et quelques, je vais aller du coup au Monop. Il pleut encore un petit peu, donc je vais pas trop tarder. Je vais aller au Monop, je vais acheter des petits trucs. Et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure, j'ai hâte. Je pense que je vais vous montrer ce que je fais à manger et je vais me faire les ongles ce soir et après ce sera tout. Et demain, grosse journée, j'achète un sac. J'ai fait mes petites courses et du coup, je vais vous montrer comment je fais mes ongles. Alors j'ai retiré mon vernis avec un dissolvant, je crois que c'est un dissolvant Monoprix. Et j'ai pas fait mes peaux parce qu'en fait, je les fais vraiment pas à chaque fois. Ma jambe, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elles reviennent pas non plus super vite et du coup... Là, je vous montre, voilà, les petits ongles au naturel. Et il y a toujours des petits morceaux, enfin pas des petits morceaux, des petits résidus de quand on lime les ongles. Pourtant, je les lime tous dans le même sens. Donc voilà. Et normalement, vous savez, je mets toujours des vernis Essie, mais l'autre fois, j'ai acheté des vernis Mavala. Et je suis pas super fan parce que ça tient pas super longtemps, mais là, j'ai une jolie couleur, donc je vais mettre ça aujourd'hui. Si vous vous demandez ce que c'est, ça c'est une pince que j'utilise pour filmer parfois, enfin, c'est un peu, c'est pas très pratique d'ailleurs. J'ai tellement hâte d'être demain, vous avez pas idée, là, je suis en mode pyjama, ongles, saumon, mais croyez-moi, demain, je vais me mettre au max, du max, du max, pour acheter ce sac. Saint Laurent, j'ai hâte, je pense qu'à ça depuis tellement longtemps. Du coup, au niveau des petits produits, je vais vous montrer. J'utilise ce petit vernis, enfin c'est pas un vernis, c'est vraiment comme de l'eau en fait. Donc j'utilise ce produit pour durcir mes ongles tout simplement. C'est comme de l'eau, vous le mettez sur le bout de vos ongles, puis ça pénètre à l'intérieur, vous attendez quelques secondes. Et ça je le fais entre chaque vernis pour vraiment durcir mes ongles et que du coup, eh bien ils se cassent moins. Et j'aime vraiment trop ce produit, c'est chez Mavala. Ensuite, j'utilise cette base qui est la base aussi protectrice pour les ongles et qui empêche le jaunissement, ce que j'aime beaucoup parce que vous savez souvent pendant mes tournages en fait on met du vernis, il n'y a pas de base etc, donc après vos ongles jaunissent et ça c'est vrai que c'est pas très cool. Donc cette base
permet d'éviter ça, du moins quand j'en applique. Et du coup, le vernis que je vais appliquer est le numéro 56 de chez Mavala, que j'aime beaucoup. Il a des légers petites paillettes et du coup, ça fait qu'au final, le vernis est très très brillant. Donc voilà. J'ai mis qu'une seule couche parce que j'attends qu'elle sèche bien 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 avant de mettre une deuxième. Mais du coup je la fais toujours plus tard, donc je la ferai sûrement dans mon lit ce soir. Donc là je vais attendre que ça sèche et ensuite je vais faire mes pâtes. Première étape, on coupe le saumon. Alors les pâtes au saumon vous pouvez les faire avec du saumon cru ou du saumon cuit. J'ai lavé mes mains mais moi je préfère avec du cru. Et là c'est de la truite fumée. Si vous demandez au niveau de la dose, j'en fais aussi pour Jérémy, il va passer les prendre. Vous en faites pas, je mange pas tout ça toute seule. J'aime tellement le saumon. Du coup, j'ai acheté des tagliatelles fraîches. J'ai acheté du parmesan aussi. Hop, aux œufs frais. Je vais attendre que l'eau finisse de chauffer et je vais les mettre. Et moi, je mets pas, vous savez, de crème fraîche. Je mets toujours de la crème de soja. Et comme là, c'est pour deux personnes, je vais sûrement en mettre une et demie, je pense. Vu que ça bout, je vais tout mettre. Moi ce que je fais toujours, je sais pas si vous faites la même chose, mais après une fois que c'est cuit, je vais venir égoutter, enfin les, je sais pas comment on dit, ouais les égoutter. Et ensuite je les remets dans la casserole avec la crème et le saumon et je mélange et je laisse un petit peu tout chauffer et tout se mélanger ensemble. Et je trouve que c'est trop bon et je fais ça pour n'importe quelle sauce. Ok, donc là je les remets à l'intérieur et je mets de la crème surtout parce que sinon ça va brûler. Et du coup je regarde un peu la dose, pour l'instant j'en mets qu'une, après j'en rajouterai. Et j'ajoute mon saumon. Et je vais mettre un petit peu de sel et du poivre. Bon, il y a peut-être plus appétissant en présentation, mais c'est très très bon. Et j'ai rajouté du parmesan. Je vais manger ça et on se retrouve après. Oula! J'ai commandé une glace. J'ai commandé un McFlurry M&M's caramel. Dites-moi, est-ce que vous mangez ça ou pas? Est-ce que vous aimez les McFlurry? Trop trop bon. Alors je vais vous faire une petite skincare routine. Je vais prendre, alors je me suis déjà lavé le visage tout à l'heure dans la douche, donc je vais pas me le relaver parce que c'était il y a pas très longtemps. Vous savez que j'utilise toujours, je vais vous montrer, il y a toujours de l'eau dedans, ça m'énerve. Le nettoyant de La Roche-Posay que j'aime beaucoup. Ensuite ce que je fais toujours, c'est que je mets ma petite lotion exfoliante de chez Clinique, la basique 3 temps. Moi j'ai la version rose là, pour les peaux mixtes à grasse pardon. Je déteste ces cotons, je les ai achetés en pharmacie, ils sont horribles. Et du coup je l'applique vraiment de partout. La lotion exfoliante c'est vachement bien si vous avez de l'acné. Ça permet vraiment d'éliminer les peaux mortes, faire en sorte que les cellules se renouvellent plus vite, donc vos boutons vont partir plus vite. Et ça, c'est très cool. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, si jamais c'est pas le cas, je vous invite à aller le faire. Vous avez sûrement vu que je vous posais des questions sur Marrakech. Alors en ce moment je suis malade, donc je vais absolument pas partir. Mais on avait prévu avec Jérémy d'y aller plus tard quand j'allais aller mieux. Sauf qu'en fait aujourd'hui, enfin là ce soir, ils viennent d'annoncer que les restaurants referment, il y a un couvre-feu, etc. Donc je pense que ça sert carrément à rien de partir parce que sinon ça sert à rien quoi. Voilà, on est ravis. Je vais appliquer mon petit sérum que je teste en ce moment de chez The Ordinary, que franchement pour l'instant j'aime bien. Je trouve que je me réveille avec une belle peau le matin. C'est le sérum niacinamide, je sais pas lire, 10% plus zinc 1%. J'en prends avec la petite pipette et j'applique 3 gouttes environ. Hop. Je mets ça sur mes mains, c'est trop bizarre, ça fait comme du savon sur la peau. Alors le sérum normalement faut l'appliquer comme ça, en tapotant et pas en l'étalant.
Tous les sérums normalement s'appliquent de cette manière. Je fais des petits tapotements pour activer la circulation sanguine. Très important si vous voulez avoir bonne mine. J'avoue que je le fais pas tout le temps, mais quand j'ai le temps et que je veux bien faire les choses, je le fais. Alors j'aurais appris quelque chose dans ces vlogmas, c'est que j'ai un gros problème de lumière chez moi. C'est tout le temps sombre. Et ça m'empêche de filmer à plein de moments. J'espère que d'ailleurs ces vlogmas vous ont plu, parce que franchement, moi j'ai trop adoré le faire. J'avoue que là j'ai l'impression que ça y est, on commence un peu à s'ennuyer. Alors pour, en tout cas c'est pour aujourd'hui, parce que je sais qu'après le reste de la semaine ça va être... Enfin il va y avoir plein de nouvelles choses vu que c'est Noël. Pour les jours comme ça où je suis chez moi, j'ai l'impression que je fais pas des bons vlogs, je suis pas fière de moi, du coup c'est un peu nul. Et il y a plein de moments où je veux filmer mais que je peux pas parce qu'il y a pas de lumière ou que si ou que ça. Donc c'est un peu chiant. Mais en tout cas maintenant que je le sais, je vais faire en sorte d'améliorer les choses. Et surtout, vous voyez, les journées comme ça, moi je suis chez moi, je vais pas me maquiller, je vais pas me préparer parce que je sais que par exemple je vais le faire demain. Donc franchement j'ai pas envie. Et du coup j'espère que c'est quand même cool pour vous à regarder, parce que je sais que moi-même j'aime bien regarder des vidéos où les gens, enfin je sais pas, si je vois quelqu'un dans son lit toute la journée, ça va pas forcément me passionner quoi. J'aime bien quand les gens se préparent, etc. Donc on va voir d'ailleurs si demain je vais vous filmer mon Get Ready With Me. Nous allons voir. Du coup ensuite j'applique ma nouvelle crème de chez CeraVe. C'est le lait hydratant pour les peaux sèches et très sèches, comme en ce moment j'ai la peau très très sèche avec l'hiver. C'est fou parce que d'habitude c'est pas comme ça, mais là cet hiver c'est particulièrement sec. Pourtant il fait pas si froid, mais bon c'est comme ça. Et je sais pas si vous avez vu, mais ça y est je recommence à être blanche parce que j'ai arrêté le fer, et je pense que de toute façon j'en avais toujours pas assez. Et franchement, alors cette crème, je vous explique, je l'ai vue sur une chaîne d'un youtubeur américain qui en parlait, qui parle en fait. Je vous mettrai son nom en barre d'infos, n'hésitez pas à me le rappeler en commentaire si jamais j'ai oublié, parce qu'en ce moment j'oublie de mettre les trucs en barre d'infos, je suis désolée. Et du coup en fait il disait que cette crème donc était incroyable. Si vous regardez ses vidéos, vous pouvez voir qu'en fait il étudie tous les ingrédients des produits, des marques connues en fait, pour tous les budgets différents, même des grosses grosses marques, les produits la mer, etc. Moi j'ai trop aimé, et en fait il disait que cette crème était très très bien niveau composition pour le prix, parce que vous savez elle coûte que 10 euros, donc c'est quand même vraiment pas cher, parce qu'on sait le coût, enfin en règle générale des crèmes, moi j'ai l'habitude d'acheter des crèmes qui coûtent bah cher. En plus c'est vraiment genre un truc dans lequel j'investis, et là je me suis dit une crème qui va être assez nourrissante, je vais la payer très cher. Et comme j'en entendais parler de celle-ci, je me suis dit bon bah j'ai rien à perdre, on va tester. Et après il a fait une vidéo aussi où il expliquait que il y avait les deux cas, il y avait des gens qui adoraient la crème et il y avait des gens qui avaient des boutons à cause de cette crème. Et moi j'ai peur parce que vous savez tout me fait des boutons, mais je me suis dit quand même je vais essayer. Et c'est vrai que j'ai eu deux petits boutons depuis que je l'applique. Bon c'est pas un là et un là, mais c'est pas le bout du monde. Je me dis une crème ça peut parfois faire ça au début, mais après ça passe parce que la peau s'y habitue. Donc je lui laisse sa chance, sinon je la donnerai à Jérémy, je vous en dirai des nouvelles. Et je voulais vous remercier aussi pour tous les commentaires que vous laissez sur les vidéos, c'est tellement incroyable. Les commentaires, les messages Instagram, c'est je lis tout, j'ai du mal à répondre mais je lis tout, vous êtes trop trop gentils, c'est incroyable. Et j'ai un petit échantillon, parce que j'ai plus du tout de contrôle des yeux, même depuis longtemps, c'est abusé. C'est l'échantillon du micro sérum yeux à la rose de Dior Prestige. J'en mets en ce moment parce que vraiment quand je mets de l'anti-cerne ça se voit que... Il est tard, il faut que je monte cette vidéo encore. Là là, je vais me coucher tard. Et je voulais vous dire que vous savez, je dois recevoir le dernier cadeau de Jérémy et le cadeau de mon frère. Je dois recevoir le cadeau demain de Jérémy, donc j'espère que ça sera livré tôt, sinon ça va être la cata. Et celui de mon frère, je devais le recevoir aujourd'hui et aucune nouvelle, ça m'énerve. Vraiment, ils s'en foutent. Et voilà. Ah, et pour les cils, vous m'avez pas mal demandé. Je pense qu'il y en a plus, j'en mets encore. Enfin, je pense qu'il en reste un tout petit peu à l'intérieur. Mais c'est vrai que j'ai mis du Revitalash et vous avez trouvé que mes cils étaient plus longs. Donc ça m'a fait très plaisir. Et vous avez été nombreuses à me demander du coup qu'est-ce que j'avais fait. Et c'était vraiment que du Revitalash. Et moi, c'était le 1 millilitre. Oui, 1 millilitre. Après, j'avoue que j'ai les cils longs de base. J'ai toujours eu de la chance à ce niveau-là. Mais j'avoue que le Revitalash, ça marche quand même. Ça marche dans le sens où quand vous touchez vos cils le matin, vous sentez qu'il y a eu un truc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, si vous voulez une option moins chère, parce que là, je sais que le 1 millilitre, bon, je l'ai acheté il y a longtemps, mais il coûte 100 euros. Donc c'est quand même très cher. Il y a celui de chez Mavala, le double cils de chez Mavala. J'utilisais tout le temps avant, tout le temps, et c'est trop trop bien, vraiment je vous le recommande. Je vous le recommande parce que je crois que c'est vraiment beaucoup moins cher, il me semble que ça doit être 20 ou 30 euros à l'époque, en tout cas c'est ce prix là il me semble. Et c'est trop trop bien, ça marche trop bien, donc vraiment je vous recommande à fond. Donc voilà pour cette petite skincare routine et ce petit vlog d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais c'est pas déjà fait, le lien est en barre d'infos comme d'habitude. Nous on se retrouve demain pour acheter mon sac. J'ai trop hâte, je vous invite vivement à activer les notifications pour pas rater la vidéo, parce que c'est mon premier sac de luxe. Attendez, c'est quand même une grosse chose dans la vie, une grosse étape, un sac de luxe que je me paye moi-même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve demain à 20h pour une nouvelle vidéo. Mouah.